Bonjour, bonsoir à tous. Décidément, j'ai de plus en plus de mal avec mes intros. Alors aujourd'hui, Big Monster. Alors vraiment Big Monster. C'est-à-dire que là, globalement, quand de la poignée, vous voulez envoyer un message au guidon, il faut prendre Chronopost International, quoi. Cet énorme monstre, bien entendu, vous l'avez sans doute reconnu, c'est le Taurus Raging Bull 454 Casu. Le 454 Casul, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Dieu merci, en ce moment, j'ai toujours une 22 LR dans la poche. Ça, c'est une 22 LR. Voilà. Ça commence à être de la grosse torpille. Alors, vous reconnaissez vite ce genre de revolver de bourrin. Ils ont deux verrouillages. Un ici, et un là. Voilà. C'est un 6 coups, gigantesque, dans un calibre, voilà. Qui est pas délirant, il fait pas si mal que ça. Là, aujourd'hui, je vais tirer de la MacTech. Mais enfin, c'est quand même pas un revolver d'anémique, tu vois. Bah, il commence à y avoir un peu de chevaux, quoi. Allez, on va tester ça. Flup. Je vous ai dit une bêtise, ça n'est pas un 6 coups, c'est un 5 coups. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, vous me pardonnerez, la cible, c'est celle de la semaine dernière pour vous, mais moi, ça fait 35 secondes, et donc j'ai pas eu tellement envie d'aller la remettre en place. Allons-y. Ouais, bon, hein. Ça fait un peu mal à la main dans le sens où en fait la poignée est pas super bonne et donc elle marque beaucoup. Sinon c'est pas très désagréable, ça peut vous engourdir un petit peu les doigts, mais voilà. En revanche, la force de concussion, en stand intérieur, c'est waouh. Alors je suis très surpris par les résultats parce que je sais qu'il est très bon ce machin. Ça m'étonne. Je vais essayer de viser un tout petit peu plus haut. Je sais pas où je suis. Alors, c'est très bizarre, parce que je vous garantis que normalement, c'est une arme franchement précise. Oui, il est peut-être visuel haut. Je vais essayer visuel haut. Ah, ça me souffle la tronche, c'est horrible. Non, mais c'est marrant, le 454 Casul, c'est marrant. C'est... Ouais... Ça vous rappelle que vous êtes vivant. C'est pas mal. Je vais essayer une cartouche à une main. Je sais pas, je me souviens pas, franchement, de ce que ça donne à une main. C'est un peu désagréable, j'ai du caoutchouc dans la main. Ouais, ça va, franchement ça va. Allez, pendant que je suis là, on va essayer une doublette. Bon alors ça, je sens bien que bon, ça va quand même pas être le plus agréable du monde, sans être le plus désagréable, ça va pas être le plus agréable du monde. Allons-y, j'espère que ma caméra au fond tient le coup. Ha 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 ha.
Ouais, bon. Ouh. Sans être extrêmement désagréable, au bout d'un moment, ça devient un peu relou pour la main, tu vois. C'est vif, c'est viril, c'est viril. On va dire que c'est vrai que d'habitude, sur cette chaîne, j'essaie de penser à ceux qui n'ont pas l'habitude, j'essaie de penser aux débutants, j'essaie de penser aux petits gabarits, j'essaie de penser bah, à ceux qui n'ont tout simplement pas l'habitude des gros calibres. Alors, c'est vraiment pas fait pour vous. Je vous dis tout de suite, ça, c'est vraiment pas fait pour vous. En revanche, si vous avez un peu l'habitude de calibre un peu. Par exemple, typiquement, c'est intéressant d'avoir un 454 Casull parce qu'il tire aussi le 45 Long Colt. Donc, ça peut être intéressant. C'est. Ouais, vous multipliez, à mon avis, le 45 Colt par 1,5 ou par 2, quoi. Mais bon, bref, c'est marrant à avoir. C'est de la très grosse pétoire. Heureusement que c'est lourd, d'ailleurs. Ouais, c'est rigolo. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien et prenez garde à vos mains. Allez, ciao! Ceci était un message de l'Association des chiropracteurs de France. Thank you.